Salut à toi, belle Wonder Woman qui a divorcé après 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans de mariage, qui a divorcé après 40 ans. Je te retrouve aujourd'hui pour te délivrer la seule astuce qui vaille. Comment dire? Pour te sentir parfaite, tu vois, même si mes cheveux la déconnent, on s'en fout. La seule astuce pour moi qui vaille, c'est comment j'en suis arrivée là. Tout d'abord, je sais pas, je crois que tu me connais un petit peu, beaucoup passionnément, à la folie, pas du tout, je suis Florence Cohen. Sophrologue, psychanalyste, praticienne en psychothérapie, expérimentatrice de ma vie. Ce qui me permet d'aider maintenant des femmes à expérimenter leur chemin de vie après une rupture amoureuse. Pourquoi cette thématique? Ben, tout simplement parce que je suis divorcée depuis 9 ans, dépaxée depuis bientôt 4 ans, et que j'ai un petit peu... comment dire... traversé dans la souffrance tout ce qu'il y a à vivre après une rupture, notamment via le deuil. Et donc, du coup, comme je me suis beaucoup observée au travers de ce que j'ai ressenti au travers de mes rencontres d'après. Aujourd'hui, ben, j'aime bien aider. Et c'est vrai que c'est vraiment pour moi un honneur d'accompagner toutes ces femmes qui pensent que après 45 ans, ça y est, la vie elle est fichue, alors qu'elle ne commence que maintenant. Donc en fait, j'offre une rose à toutes les femmes qui ont osé divorcer et je vous aide, mesdames, à prendre les rênes de votre vie avec fierté. Donc aujourd'hui, l'astuce pour être parfaite, il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas 50 000. Hein. Tu auras beau te mettre tous les habits que tu veux, les belles jupes, les beaux gilets, bien te maquiller. Si tu te sens imparfaite, ça vaut pas le coup. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Hein. Qui a dit que tu étais pas parfaite? Qui t'a pointé du doigt en disant, toi, Béatrice, Sophie, Clémentine, Florence, Gisèle, Marie-Claude. Mais tu es tellement imparfaite que ça saute aux yeux. Bon, ok, on te l'a pas dit comme ça. Ton ex t'a fait croire que ta façon de t'habiller était moche, que quoi d'autre, ta façon d'être, ça n'allait pas. Est-ce qu'il te le disait vraiment? Ou est-ce que c'est toi qui, comment dire, croyais que... Est-ce que tu t'es enfermée dans quelque chose pour faire à tout prix plaisir à l'autre? Et tu sentais que l'autre, en fait, il était jamais content de ce que tu faisais, que ce soit ton ex ou tes enfants, ta famille, ton ex-belle-famille. Est-ce que ça te parle? Tu faisais des trucs et il y avait toujours quelque chose qui revenait comme une phrase. Ouais, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, c'est pas terrible, hein. T'aurais pu faire mieux. Ah, ton gâteau, tu l'as loupé, bon. Mais si tu savais que tout ça, c'était parfait. Un gâteau loupé, c'est parfait, on s'en fout qu'il soit loupé. Mais non, Florence, tu dis n'importe quoi. Il faut que tout soit parfait. Ma peau parfaite, ma jeunesse éternelle. Quoi d'autre? Mon boulot. Mes rencontres, il faut que j'apparaisse au summum de qui je veux faire paraître. Rien qu'en le disant, tu vois, je grince des dents. Ouais, c'est pas du tout simple ce truc. Alors, est-ce que tu sais faire la différence entre la réalité et la non-réalité? Si c'est oui, tu me diras oui dans les commentaires. Si c'est non, je peux t'expliquer. Imaginons que tu vas, je sais pas, à un cocktail. Tu te dis, bon ben tiens, je vais aller là pour... croiser du monde, ça peut être aussi vis-à-vis du travail. Et là, dans ta tête, en fait, il passe plein de choses.
Comment je m'habille? Déjà, tu mets 3 heures à trouver une tenue. Comment il faut que je me comporte? J'ose pas. J'ai pas envie. Je me sens pas à la hauteur. Je me sens nulle. Je sais pas si tu imagines tout ce truc-là qui remue alors que personne ne te dit rien. Je me sens. Parce que là, ton ex, il est plus là à côté de toi. Tes enfants, ils sont pas là. Ils vivent leur vie. Donc là, en fait, tu es en train d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Tout simplement, tu te dis, ouais, et je vais aller à cette soirée. Enfin, tu te le dis pas forcément comme ça. Au début, oui. Ouais, chouette, je vais aller là. J'ai toujours rêvé d'aller là. Et puis, au fur et à mesure, ben, que l'échéance s'approche, tu te sens, comment dire, comme ça. Et puis, le souci, c'est que tu risques de finir dans ton canapé plutôt que d'aller te challenger à cette soirée. Sache que tu es parfaite. Si on t'a fait croire que l'autre n'est pas toi, toi tu es juste unique. C'est pas vrai, murmure ta petite voix de ce côté. Oui, c'est vrai, murmure celle qui est là. Et c'est un combat de titans. Qu'est-ce qui est tellement unique en toi? Bah, tu as des valeurs, non? Ouais, mais c'est quoi une valeur? Ben, l'honnêteté, l'amour, la compassion, l'humilité, la rectitude. Il y en a tellement. Toutes ces belles choses qui te font vibrer. Moi, ma valeur number one, c'est vraiment the most of the ma valeur, c'est l'honnêteté. Mais pas l'honnêteté des autres, hein. Être honnête avec moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vis quelque chose qui ne me convient pas, j'y mets fin. Ça ne me convient pas. Je suis honnête avec moi. Quitte à dire aux autres, à l'autre, désolé, je m'en vais, là, je suis fatiguée, je rentre chez moi. Je suis honnête avec moi. Ça a toujours été. Et comment tu peux le savoir? Eh bien, selon comment tu élèves tes enfants. Quelle valeur était importante pour toi que tu souhaitais leur transmettre, par exemple? Voilà, qu'est-ce qui t'anime? Ma valeur number two, c'est la liberté. Liberté d'être. De faire cette vidéo, tu vois, en pull jaune, avec mes lunettes assorties. Moi, je me trouve parfaite. Franchement, si j'attends que quelqu'un vienne et me dise « Ah, Florence, ton pull jaune, là, il déchire. » Eh ben, je crois que je peux attendre longtemps, non? Vous croyez pas, les filles? Parce que mon pull jaune, il déchire que pour moi. Puis j'ai mis un petit collier super sympa avec, tu vois. Mais moi, je me trouve parfaite. En fait, il n'y a qu'une astuce pour te trouver parfaite. Dis-toi que tu vas aller à cette soirée en étant parfaite. Les autres, ils sont là juste pour échanger avec toi, pour te donner leur avis. Mais en aucun cas, ça doit te toucher, toi. Tu peux discuter, tu peux échanger à cette soirée. Tu peux aller à une pièce de théâtre qui est peut-être jouée pas loin de chez toi et te dire, ben, je vais prendre du plaisir à regarder cette pièce de théâtre. C'est parfait. T'as pas besoin d'autre chose. Si t'as envie d'aller voir cette pièce de théâtre en survêt, basket, ton manteau, une belle écharpe pour te tenir chaud, c'est parfait. Si tu comptes séduire, eh bien, habille-toi différemment. Quelle est en fait l'intention que tu mets derrière? Est-ce que tu as envie de t'amuser? Est-ce que tu as envie de passer un bon moment? Est-ce que tu as envie de taquiner la drague? Pourquoi pas? Mais y une intention qui pour toi est juste. Parce que si tu vas draguer en étant ouais, j'y vais, mais je sais pas si je vais trouver quelqu'un. Tu vois un peu le comportement? Ben, en fait, ton corps, il est comme ça. Si tu te dis ouh, je profite de cette soirée, peut-être pour échanger
avec des gens, peut-être croiser un homme qui sera intéressant, et peut-être que tu le croiseras même pas, hein. Mais c'est pas grave. C'est parfait. Si tu y mets une intention qui vibre pour toi, c'est juste génial. T'as pas besoin d'autre chose. T'as pas besoin que l'autre te dise t'es bien habillé, t'es mal fichu, t'es boudiné. On s'en fout de ça. Ouais, mais Florence, c'est pas toi qui as 20 kilos à perdre, hein. Eh ben, si, les filles. Bon, enfin, j'ai pas 20 kilos à perdre. Mais en 1993, et oui, ça remonte, j'ai pris 30 kilos en une année. Et je les ai perdus en 10 ans. Donc oui, je connais aussi ce problème-là. Mais ce problème-là ne vient en rien gâcher qui tu es à l'intérieur de toi. Affirme tes rondeurs. Si tu es ronde, vous êtes tellement belles, les femmes rondes, avec des beaux vêtements, un beau maquillage, même en survêt, le tout, c'est que tu le vives bien. Aujourd'hui, quand je vois des femmes qui sont enveloppées, qui ont peut-être 15-20 kilos de trop, mais je les trouve tellement canons. Non, avant, je les jugeais. Pourquoi? Parce que je me jugeais. Parce que je me trouvais imparfaite. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est parfait. Ça me va. Ça convient pas à l'autre. Je m'en fous. Ça convient pas à l'autre et puis je peux voir que l'autre va aussi y mettre de la bonne volonté pour qu'à deux ça soit parfait. Bon, je suis pas idiote, hein, donc je vais peut-être aussi changer mon fusil d'épaule et puis changer mon rendez-vous si je dois changer un rendez-vous parce que cette personne, au niveau pro, j'ai vraiment envie de bosser avec elle et donc pas complètement idiote, c'est aussi parfait pour moi. Mais en fait, cette perfection, faut la ressentir à l'intérieur de toi. Si tu attends qu'elle vienne de l'extérieur, tu seras tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps déçu. Le matin, t'as le choix. Soit tu te lèves en te disant, putain, quel enfer. La journée, elle va être longue. Ou alors, les deux pieds. Qu'est-ce que me réserve ma journée aujourd'hui? Je le sais pas. Et tu vas peut-être être triste et c'est ok, c'est parfait. Tu vas peut-être avoir envie de bouquiner un bon bouquin, rester chez toi parce que dehors il fait froid. C'est parfait. C'est juste arrêter. Arrêter, mais arrêter de croire que parce que tu auras la peau plus jeune, parce que tu seras maquillée, parce que tu seras bien habillée, tu seras parfaite. Non! C'est parce que tu auras des rides, parce que tu vieillis, enfin non, j'aime pas ce terme vieillir, parce que tu évolues dans ta vie de femme, ça j'adore, que là c'est parfait. T'es une grand-mère imparfaite? Wow! I feel good! Non, 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 c'est parfait. T'es une mère plus qu'imparfaite? Ouh! Ben revendique-le! On a fait ce qu'on a pu, hein? Oh! Élever nos enfants seuls! On a fait ce qu'on a pu. Ils le reconnaissent pas. C'est pas grave. Est-ce qu'on a vraiment eu de l'énergie à dépenser de se battre contre quelque chose qui nous appartient au fond? On a fait ce qu'on a pu. On les a élevés avec tout ce qu'on a pu donner qui vient de nos parents, des générations d'avant, avec de l'amour. Mais aujourd'hui, la femme parfaite, c'est toi. T'as rien à envier à personne. Toutes les femmes, y a pas un truc qui dit tous les hommes bien sont déjà pris, donc je sais pas quoi. Ben, c'est pareil. Toutes les femmes soi-disant bien sont déjà prises, donc soit ton modèle unique ne me ressemble pas. Non, parce que deux comme moi, il n'y en a pas. Je te le dis tout de suite. Ah, ça, je te l'avoue, il n'y en a pas. Donc voilà, en fait, la perfection, c'est toi qui l'incarnes. Donc incarne ta perfection. Maintenant, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu as envie d'être sur ma liste d'attente préférentielle pour être prévenue quand va ouvrir l'événement J'offre une rose aux femmes qui ont osé divorcer et je les aide à prendre les rênes de leur vie avec perfection, fierté, reineté. Si ça t'intéresse d'être sur cette liste, tu m'envoies tes coordonnées, enfin ton nom, ton prénom, ton email à
florence@florence-cohen.fr. Sur ce, sois parfaite et kiffe ta vie. Ciao.